Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica et Thibaut qui ont reçu une visite qu'ils attendaient depuis longtemps. En effet, leurs parents viennent d'arriver à Dubaï et ils ont rencontré leur petit-fils Mylon pour la première fois. Très heureux, Jessica et Thibaut ont partagé sur Snapchat ces jolis moments en famille. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, on a bouffé comme des gros... Oh. Preuve à la pluie. Ça allait trop vite. Bon, on attend les parents là, voilà, talam, talam. On est cuit, on regrette tous la bouffe dégueulasse qu'on a mangée. Tu regrettes? Ça va, ça va. Maintenant ça va. Moi je regrette, j'ai mal au ventre. C'est passé. Je suis sûre. Bon, il est 4h du matin, on a rendez-vous à 8h à l'ostéo. Et évidemment, qui c'est qui peut pas dormir? Mais pas du tout. C'est Mylon. Je pense qu'on va être en forme demain. Ça se voit. Allez, bonne nuit. Bon, alors là, je vous explique. Mylon, il vient de prendre le biberon. Du coup, là, il va dormir pendant 3 heures. Il est parti dans un gros sommeil. Je l'ai laissé en bas dans son berceau. Avec les papis, mamie, Thibaut, ils sont en bas. Et moi, il faut que je dorme 2 heures parce que je vais jamais te tenir. C'est pas possible. Ma tête, elle veut plus rien dire. Je crois que ça va repartir en filtre Snapchat parce que. Que bientôt j'ai laissé un naissant jusqu'en bas. Je suis en train de me délabrer petit à petit. Mylon est en train de gagner. Comment un petit de 2 kilos est en train de nous zigouiller? Ça va aller. Bon, allez, à tout à l'heure, je fais une petite sieste. Bon, ça y est, je suis réveillée. Mylon il pleurait un petit peu dans les bras de la mamie. Non, mais va pas le voir, mon ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est battu? Et on a glissé sous la douche, c'est le coup habituel. Dès qu'il est arrivé, je me dis, vous êtes battu. Et maman. Alors je précise, c'était avant l'apéro pour les mauvaises langues. Voilà. Alors, ça fait quoi d'avoir un petit-fils? C'est magnifique, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Pleuré, on était trop déçus. J'ai pleuré, mais j'étais très discret et j'ai pleuré ce matin, je pleure. Sur le corps, il t'arrive de nulle part. Ah merde, j'ai pas vu. Donc, il se moque. Non, je ne pleurerai pas en direct, je ne vous ferai pas ce plaisir. Sauf si vous abonnez à mon Instagram, ça c'est sûr. Je pleurerai dans la semaine. Voilà, juste vous abonnez à Vincent. Vincent, il adore mettre tous les jours, il met une petite photo avec une petite légende, une petite blague. Ça fait voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner au papy, papy heureux. Et c'est parti, petit gros pas. Tadam. Eh ben ça va nous sauver ça. Hein, on peut manger à deux. Regarde, non mais on vous a vu, c'est trop tard. Hein. Mylon, qui c'est qui va le manger? C'est moi. Allez, dégustation de gâteau. Il a commencé par une part, puis deux, puis il a la moitié du gâteau. C'est bien que je me ferais baiser quand même, mais je sais pas comment. Voilà, c'est la vie qu'on décide de mener. Voilà les papis. Putain, nous filme. Voilà. Ça va? Par contre, maintenant, fais... On ne savait pas comment vous l'annoncer. Et voilà, une pour mamie. Coco, une pour mamie, Gims. Il est bon? C'est très bon, il est très bon. Celui-là, c'est mon deuxième favori après le tropical. Fruits et légumes, excellente qualité. Donc, c'est un bon produit. Je rêve, vous êtes en train de regarder la qualité du produit Fidja. C'est un bon produit, j'entends. Oui, oui. Ben, oui, tu peux dire. C'est sur quoi? Ouais. C'est Yuka. Et je fais d'accord. Et alors? On est retourné au lit? On a clôturé là? Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Je t'ai signé, t'as envie de 3 heures et moi une, ok? Ah, c'est vrai que dormir 3 heures, dans une... c'est vrai que c'est cool, c'est mieux. Ouais, moi, je préfère aller bronzer dehors. C'est mieux que je préfère aller bronzer au soleil. M'exposer un peu plus au soleil. Allez, bisous, ciao. Et regardez ce qui se passe là. Coucou les copines, ça y est, il y a un petit bout de chou avec moi, je lui donne le tétou. Et voilà, génération. Dire qu'il y a 28 ans, elle faisait pareil, et je suis devenu un grand gaillard comme ça. Incroyable. Incroyable. Et moi dans 28 ans, pareil, je ferais pareil. Ça met un coup quand même. C'est la génération. C'est trop beau. C'est ça la vie en fait. Et là, fidèle au poste. Voilà, je vais vous mettre sur Instagram, il adore ça, c'est sa nouvelle passion. Tous les jours, il poste sa photo sur Instagram, il aime plus Instagram que moi. Voilà, je vous mets son Instagram ici, allez le suivre. Vous ne pouvez pas faire plus plaisir à un homme que ça. Il est là,
Là, elle est d'ailleurs en train de poster sa photo. Hein ? Oui. Voilà. Ça, c'est la régale, là ? Eh ouais, hein, c'est la bonne période, là. Ouais. Eh, Mamoun ? Ouais. Tu joues à quoi, là ? Moi, bon, je vais sécher. Effectivement. Eh ouais, tu veux... Vivre un peu plus, ouais. Eh ouais, faut le faire. Ah, les petites tables, là. Ah, boum ! Au fourneau. Du saumon, des haricots. Là, mieux. Et voilà, il utilise du coup son nouveau truc parce qu'on a récupéré la petite roue en bas là. Parce que Gizmo avait mangé la roue et on l'a reçue. Donc merci Kiko pour nous avoir envoyé. Et voilà, moi j'ai toutes les photos que j'ai envoyées là. Bon alors ce matin, monsieur, on est allé à l'ostéopathe. Oh oui, on a fait de l'ostéopathe. Il a encore 2 séances et il en avait besoin. Voilà, puisque vu qu'il a été... en couveuse, qu'il a une opération, tout ça, ben, il faut détendre ce petit corps d'amour. Le rayon d'amour. T'es prêt ? Ouais. On va aller faire notre premier bain que tous les deux, Emilon. Voilà. T'es prêt ? Il va falloir le tenir, lui qui doit être prêt. Ouais, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Voilà. On va lui faire le premier bain. La dernière fois, on était à la sage-femme, là, on n'est que tous les deux. On va le laver un petit peu et puis voilà, 2 bains par semaine, elle nous a dit. Bon, est-ce que ça te plaît, ce petit cheveu long ? Moi, ça tue, ça change. Ça roule comme avant, t'avais. Ouais, ça change. T'es fatigué, mon amour. On est fatigué. Bah ouais, on est mort. Là, on espère qu'une chose. On se regarde tous les deux. On lui dit on va dormir. Cette nuit, il va faire sa nuit. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Mais c'est l'ostéo, je t'ai dit. Ouais, il a pas trop kiffé. Du coup, bah, il hurle. Il hurle comme jamais. Il est incalmable. Comment ça se passe ? Très, très bien. Ça va ? Oui. Il crie pas trop ? Non. Non, menteur. Je lui apprends à manger. Qu'il mange. Je suis tellement blanche, j'ai l'impression que je suis devenue un vampire, je vous jure. J'arrive pas à aller dehors. J'arrive pas. Je supporte pas le soleil. C'est reparti, Lili. On va encore changer le cul. C'est trop marrant, une routine de bébé. Couche. Ça me plaît trop, moi. Bon. Tu sais, j'adore lui. Du coup, on lui a pas fait le bain. Peut-être parce que ça fait 4 jours que j'attends. C'est vrai. Du coup, on lui a pas fait le bain, il faut qu'on le fasse demain absolument. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces minuscules petits yep. Oh là 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 là. Voilà, c'est parti. Petite première sortie de notre fils. On n'est pas bien là ? On lui a présenté Dubaï. Et nous, le spectacle de la cour. La cour, c'est jusqu'à quelle heure le spectacle ? Petit monstre qui nous fait la misère la nuit, le jour. Non, c'est pas vrai, il est trop gentil en vrai. Là, ce matin, on est allé voir l'ostéopathe et du coup, il est un peu touché, un peu redressé. Comme il a subi l'opération, etc., il est un peu tendu. Mais là, il a été détendu et on aura encore une petite, un petit tripotage de l'ostéopathe la semaine prochaine. Et après, voilà, ça sera un fils comme tous les autres, il va être content. Et voilà, on est trop heureux. Voilà, là, franchement, on est content. Si on est toute la famille, c'est trop méchant. Il veut clairement pas dormir. Petit mess. Non mais l'ostéopathe. Petit mess. Ah, chérie, tu t'es collé à mes cheveux. Fais voir. Chérie, nous on va se promener avec les pères. Fais-moi un bisou. Aime-moi vite. Ouais. Aime-moi vite. On s'aime. C'est l'amour. J'avais oublié ton truc violet encore. Ah, ouais, j'ai peur, chérie. Ah, excellent. Super. Ouais. Allez, arrête, on est des fous, frère. Bon, on est un peu starbé. Bon, ce soir, c'est le premier petit resto en famille. Et on emporte notre petit monsieur. Donc, il va faire son premier restaurant. Il va sortir pour la deuxième fois aujourd'hui. Ce matin, il est sorti pour le resto. Trop méchant. Voilà. Donc, on est trop contents, nous. On va le dépuceler du restaurant. Magnifique. Hein ? Dépucelage ce soir. Pour Maï. Du resto. Aime-moi. Je te fais chier là ? Non, là, je suis venu. Non, j'ai vu à ta tête que je suis venu te faire chier. Non, je suis vraiment fatiguée, mais c'est trop bien qu'on aille au resto. Mais si tu veux, on y va pas, hein. Du coup, tu t'es maquillée pour rien, c'est cool. Non. Si tu veux, on y va pas, chérie. Si, ça va, mais j'espère qu'on va dormir cette nuit, s'il vous plaît. Je veux dormir un peu, au moins 4 heures d'affilée, 3 heures d'affilée. Allez, je m'en occupe cette nuit. C'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai pas dormi la nuit dernière, hein. Hein ? Ça va commencer à faire des chifoumis.
Oui, oui, petit monsieur, changement de couche, prêt pour le restaurant, là, ça a mis sa tenue. Sa tenue bien, qui est beaucoup bien, trop grande. C'est bien ça, petit monsieur. Là, ça c'est la tour qui s'éclaire la nuit. Ça, ça sert absolument à rien. Mais c'est uniquement ça, c'est pour le show, bro. C'est que pour le show, rien que pour ça.